paluche. Oh, arrêtons-nous un instant sur cette histoire passionnante. Irma, reçois. Irma dit tu es bien chancive, ce qui signifie tu es extrêmement chanceuse. Ensuite, la traduction serait tu es extrêmement chanceuse de travailler pour ces personnes dont l'aisance et l'autonomie pécuniaire ne fait aucun doute. Ce à quoi, répond Irma, ils ont quelques difficultés passagères épisodiquement réparées par de précieuses donations. Voilà qui éclaircit quelque peu notre lanterne. Maintenant, reprenons. Hein, je te crois pas. Avec toutes ces puissances, ils ont vraiment des préférences. Rien, je te dis. Et ben alors, t'as pas de mammouth ni bison. Sinon, enfin, des pépites. Ah ouais, mais monsieur Zeg, il... Mais non, arrête de me pernicer. Bah, c'est pas qu'il parle de pépites. Mais non, c'est madame qui... Enfin, il est si bourré alors. Mais non, elle me caradote toutes ses empelures, c'est tout. Ou j'avais cru que ça te satisfait. Ben, on m'y cadote des polissons. Ah ouais, y'a qui? Qui, y'a qui? Bah, c'est qui, pas maman Fouf? Bah, le panifère de monsieur, le comte de Perleminous. Un comte? Fourre-tout et viens te barder ici? Oui, ma camisole est dans les embouchures. Ah ouais, des traiteurs nous disent au milieu alors. Rien, ils sont en alternative. Pas même la queue pelouse du comte d'ailleurs. Ah, parce qu'il a une peu grand. Une montante de caracara plutôt qu'une ça c'est tarant. Ça veut dire qu'il n'y a plus Marie. Oh, voilà qui est intéressant. Irma reçoit, sans que personne ne s'en aperçoive, la visite du comte de Perleminous, lequel ayant bien évidemment déjà convolé. Oh, voilà monsieur là qui la double. Bien Irma, qui est cette langouste? Oh, c'est ma bécasse qui était venue par le ténotant, vas-y. Oh, elle bisquée, elle bisquée. Eh ben voilà, si je ne cherche pas là, mes fils, je veux qu'elle mais je n'ai pas du tout dans la tête. Madame de Perleminous, je prie bien Madame de Perleminous. Ah, quel grave. C'est de la vie de rossir. Moi, pas envie du tout de voir la tête à la dame. Moi, bâti dans le dodo. Poulet. Ah, voilà qui est intéressant. Observez, très chère assemblée. Et surtout, écoutez bien. Oh, chère, très chère peluche. Depuis combien de trous, depuis combien de galets, j'ai eu le mitron de vous sucrer. Et là, chère, j'étais moi-même très très vitreuse. Mes trois plus jeunes tourtons ont eu la citronnade l'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher le moulin, courir chez le ludion ou chez le tabouret. J'ai forcé des puits à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à manquer. Oh, pauvre chère, et moi qui me grattais de rien. Tant mieux, je m'en recuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner après les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc, depuis le mou crapaud jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagas de bois de migraine. Il fallait que vous puissiez vraiment gargariser. Oh, il est vrai, quelle ciruse. Je n'ai pu démouiller sans gravir. Mais j'y trouille, vous flotterez bien quelque chose. Une cloque de Zoulou. Deux doigts de loto. Merci, avec grand soleil. Oh, Irma! Oh, Irma! Oh, cette biche, elle est courte comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille rentrer la basoche, remasquer cette pantoufle. J'en râle tout dans une minette. Donc, j'ai ma pitance. Bien, vous avez vu. À la longue. Vous ici? Oh, voilà qui risque d'être fort instructif. Observez ses comportements. Et comment êtes-vous bardé? Par la douille. Et vous bardez souvent ici? Non, mon ami. Mon bison, ma palme, j'espérais vous raviner. C'est pourquoi je me suis bardé. Il suffit! Je grippe tout. Vous veniez ici faire le mascaret, le joli pied, le beau boudin noir, pendant que moi... Moi, eh bien, je me ravaudais les palourdes à habiller le pauvre petit. Allez, vous êtes bien. Alors, Irma, c'est bien tendu, n'est-ce pas? Des petits dolmens au limon, des soutiens très glaves avec du flou, et ne tout que de ramier sur du pacha, et des petits glottes de sparadrap lotis au frein. Oh, là, je préfère ne pas vous traduire la recette, c'est, comment dire, ragoûtant. Enfin, pour la compréhension, sachez que l'on parle de queue de mammouth, de langue de lézard et, oh, des recettes bien chez nous. Oh, cher comte, vous ici, quelle bonne tulipe. Vous venez revenir votre pitance. Irma! Ah, Irma! Elle est donc nichée monsieur dans la camisa de basse-cour. Il n'y a que la truffe à pas platique. Eh bien, la truffe ne sautera pas. Allez, allez. Je bredouillais dans les garages après ma séance au sleeping, lorsque...
Irène et sûrement chez Zachary. Je vais les susurrer toutes les deux. Bien, bien. Mon cher comte. Mon cher comte, posez-nous votre candidature, là. Je disais à madame que je bredouillais dans les garages après ma séance au sleeping, lorsque je me suis dit, Irène est sûrement chez Safari, je vais les susurrer toutes les deux. Prenez donc ce galopin. Vous devez être caribou. Ah oui, 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 fort car. Le saut piqué s'est prolongé fort. On a frétillé, rançonné, refrétillé, re-rançonné, câliné des boulettes à plein flot. Eh oui, je me demande où nous cuivrera tout ce potage. Cher, mon zébu semble tellement assez planche que l'on croirait, oserais-je le moudre ? Oui, en bouche. Eh bien oui, que l'on croirait que bien souvent ici ranger ses grenouilles. Eh, vous avez le pot pour frire. Quelle crémone ! Mais le bon de cible à gueule, si au gorchet, si chamarré de l'hydrodon, qui ne se contenterait pas d'un si modeste mironton. Ce mironton sera toujours pour moi un bavoir plein de punaises, cher ami. Bast, mais on sait qu'il y a bien d'autres bouteilles à son râtelier, n'est-ce pas, mon cher comte ? Mais que voulez-vous frire ? Allez, allez, on sait que vous paumez avec Lady Bretzel. Comment ? Avec cette grande corniche ? Ne serait-ce pas plutôt avec la baronne de Marmite ? Quoi ? Avec cette beau bêche ? Eh bien, moi, à votre place, monsieur, je préférais de beaucoup la vieille popote qui fait de l'huître près du bon bœuf. Non, mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir. Sautoir. Un fif. Un frère collègue. Une yandure. Et un baldaquin. Oh, oh, non, mais ça vous aussi. Mais sirotez, sirotez. Un panier plein de mie. Oh. Allez, allez repiquer vos limons et vos citronnelles. C'est bon, c'est bon. Je croupis. Je vous présente mes garnitures, je ne voudrais pas vous arrimer, je me découche, je me lave. Madame, ma chère cheminée, mon cher lampion, adieu. Allons, allons, ne vous appétissez pas, je croupis avec vous. Oh!